Ok. Bon, trouve-moi un combat. Mettons ces techniques en application. Bon, mettons sur le chat, vous auriez pu me dire que c'est avec le quart de cercle et appuyer sur une touche, quoi. Car si on précise rien, moi aussi, comment vous voulez que je m'en sorte? Donc... Faut pas répondre, hein. On en a déjà parlé, mais si vous répondez dans ces cas-là, des terroristes gagnent. Dark Framboisier, non mais vous êtes sérieux? Non mais c'était mon lobby, j'étais tout seul, j'étais tranquille là. Pourquoi est-ce que vous venez me faire chier dans mon lobby? En trouvez-moi un match, s'il vous plaît, trouvez-moi un match. Ok. Ça donne pas envie, n'empêche, hein, là. Les longues séquences de poireautage à décider est-ce que le jeu veuille bien trouver quelqu'un, ça donne pas spécialement envie. Parce que théoriquement, on est un week-end d'open bêta. Tout le monde télécharge le jeu. C'est moyennement rassurant de voir que ça te prend 9 km, 9 ans et demi pour te donner un combat, quoi. Là, vous allez me dire, ouais, mais comprends, Eltan, aussi, que vu que t'as perdu tes 78 premiers matchs, c'est peut-être un peu compliqué de te trouver un adversaire qui, lui aussi, a perdu ses 78 premiers matchs. Donc là, le jeu est en train de devoir créer une nouvelle personnalité en intelligence artificielle avec une IA en ultra facile. Il simule quelqu'un qui aurait ses deux pieds et ses deux mains et ses deux jambes coupées et qui serait obligé de tenir le pad avec sa bouche. Et j'entends votre argumentaire. Je comprends ce que vous me dites. Néanmoins, je blâme le jeu. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je me remette en question et ça, il est totalement hors de question que ça arrive. On vous remercie. Est-ce que je peux interagir avec les gens? Genre, toi, est-ce que tu veux pas te fighter? Éventuellement, on peut se débrouiller comme ça. Bon, on va modifier quelque chose. Alors, participer à un combat classé. Plus fort que moi. Voilà. Comme ça, on va apprendre. Vu qu'effectivement, plus faible que moi, ça n'existe pas. Donc essayons avec des gens plus forts que moi. Non mais les gars, on va vraiment pas y passer la matinée, hein. J'insiste sur ce point-là. Hein. Non, est-ce que c'est moi qui m'y connais pas en jeu de baston et qui est trop impatient, ou où est le problème? Accessoirement, pourquoi il y a une photo de la Terre alors qu'on est censé être sur une autre planète? Ça existe la Terre dans le monde de Dragon Ball? Parce que là, on voit clairement l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, la Chine, le Japon, tout ça. Hein. Et pourquoi cette maison est entièrement raciste et m'empêche de rentrer parce que j'ai un casque? J'aimerais vraiment avoir les réponses à toutes ces questions. DB Fighter 974, B974, Big Bang Fire 974, pourquoi vous êtes tous 974? Ah, combat trouvé, pardon. C'est toujours pas la bonne touche. Alors. On essayera ça après, Tidus, par curiosité. Deux victoires, zéro victoire. Deux combats, zéro victoire. Un combat, zéro victoire. Ah bah voilà! Maintenant on a un combat, Arms Egel. Bonjour, livraison Amazon Prime. Alors, vous auriez l'impression que ça rame et que ça fait deux images par seconde. Oui, oui, c'est le cas. Là, c'est en train de ramer, mais quelque chose de magnifique. On a activé le lag switch. Oh la vache! Ah, c'est dégueulasse, madame.
Ah, c'est absolument dégueulasse ce qu'on est en train de vivre. Ok. Le jeu de combat en 19 FPS. C'est parti. D'accord, donc là j'ai fait un truc. J'essaye de faire des cartes de cercle, mais là subitement ça ne marche plus. Non, non, ce n'est pas ta connexion qui rame, c'est le jeu qui est absolument imbitable là. En mode pour plus tard, Altan avant de sortir des coups spéciaux, essayer de savoir ce qu'ils font. Ça évitera d'avoir l'air con. Ah oui, d'accord, je me suis bourriné à distance. Et le type, il va continuer à faire ça, vu qu'il a trouvé un truc qui marche. Il va pas le lâcher, naturellement. Oui. D'accord, ok, donc là, je... ok, d'accord. Il y avait sans doute un moyen de le contrer, c'est juste que je le connais pas. Ok, donc il a déjà fait les tutoriels, lui. Il a déjà fait les tutoriels et il habite je ne sais pas où, mais quelque part où Internet n'existe pas. Magnifique. Sublime. C'est bien d'avoir que des coups qui partent de traviole, parce que comme ça, tu peux t'en servir dans toutes les occasions. Comme par exemple quand le mec est au sol. Allez, Kevin, arrête de ramer comme un bourrin! Débranche le téléchargement de collection de porno de cheval que tu es en train de charger! Non, mais sans déconner, c'est... Ok, d'accord. Ah, c'est imbitable. C'est absolument imbitable. Et je joue mal, hein, c'est pas le problème, mais c'est absolument imbitable. Ah, c'est-à-dire que moi j'ai balancé mon truc, mais c'est quand même le sien qui a la priorité. D'accord. Et ça m'a quand même gâché toutes mes barres aussi. C'est génial. J'adore le jeu vidéo. Foutez-moi la paix. D'accord. Là, je ne peux rien faire. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est fini. Ah, c'est vraiment génial. J'adore le jeu de baston. C'est vraiment top. Et non, sortez-moi de là. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Non, 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 pas de revanche, non. Non, non, non. C'est achète-toi une connexion internet, on aura de nouveau une discussion ensuite. Bon. Y aurait-il un didacticiel qu'on pourrait faire encore? Récupération. Contrôle du ki. Technique défensive. Alors. Ah mais quand je suis dans les menus, ça interrompt le truc. Oh. Bon, allons faire un entraînement en attendant que qu'on trouve un truc. Donc on va prendre... Importance de la récupération. Voilà. L'équipe des personnages que vous connaissez contre une équipe de gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Et il n'a pas.
Ah, c'est ça ce que vous appelez une récupération? Bah, du coup, non, en fait. Attends, parce que. Voilà. Ah, tiens, je. Non, c'est même pas ce que j'avais prévu de faire, mais ok. C'est pas ce que tu me demandais? Ok, si, d'accord. La manière dont tu t'es fait botter le fion, vraiment ça m'a époustouflé. Hein. Ah, combat trouvé, excusez-moi. Cloud FF7. Le mec s'appelle Cloud FF7. Je rappelle qu'il y a une bêta de Dissidia qui est en cours ce week-end aussi. Hein. Et Cloud FF7 est en train de jouer à Dragon Ball. Pourquoi? Je vous propose qu'on ait la réponse d'ici une vingtaine de minutes. Où on va tester la bêta de Dissidia. Parce que il faut qu'on sache. Ah, laissez-moi deviner, c'est Son Gohan adulte de l'autre côté. Tu sais que tu parles avec la voix d'un gamin de 12 ans quand même. Je veux dire, on t'a mis au courant. Taïo! Tu ne mourras pas, j'ai appris le secret de la récupération aérienne. Aïe, 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 pardon. Non, non, en fait, si tu mourras. Pardon, pardon, excusez-moi, monsieur. Pardon, 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 j'ai rien dit. Excusez-moi, monsieur, pardon, 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 pardon. Aïe, 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 aïe. Câlin! Câlin! Ok, c'est pas grave, on était pas mal. Merde. Merde. Voilà. Oui, c'est des lame strats. Oui, c'est ridicule. Est-ce que ça a marché? C'est tout ce qui compte. Putain, comment il arrive à me réceptionner en fait à chaque fois? C'est ça ce qui me tue. Ah ouais, mais non, mais si on commence à balancer plusieurs attaques à la fois aussi. Ah bah ça, ça va faire un dégât plus gros qu'une pièce de 2€ sur le pare-brise. Hein. Mes trucs en quart de cercle là. Ah voilà. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. D'accord. Ok. On va changer de plan. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je sens qu'il y a eu du mieux. Je sens que là on a vraiment évolué. A mon avis on est... Comment ça, victoire? Ah oui, non, j'ai perdu. Oui, ok. C'est quoi, je suis pour une revanche. Aïe, 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 non.
Oui, mais je suis en train de me faire défoncer proprement là. Ok, d'accord. Bon. Ça se passe moins bien. Hein. Ça se passe nettement moins bien. Hein, si on est un peu franc avec soi-même. Cookie, moi, nouveau. Ah oui, je joue Freezer, pardon. Je viens vraiment. Ça va bien vraiment dériver, hein, ça. Alors là, vous allez me dire, tu viens de spammer le même coup comme une merde, c'était cheap as fuck. Oui, oui, c'est vrai. Bon, j'ai cyber de qui, faudrait... Oui, j'ai cyber de qui, oui. Faudrait vraiment que j'arrive à en faire quelque chose. Mon gros problème pour l'instant, c'est que j'enchaîne pas quand je fais un truc. Bon, ça et le fait que je sois trop mauvais. Ça, c'est mes deux problèmes principaux. Ça, par contre, j'aime bien. J'aime bien quand ça explose de partout. Aïe, câlin. Non. Non, monsieur, on ne caresse pas les gens qui n'ont rien demandé comme ça, on n'est pas à Quantic Dream ici. Ouais, ok. Non, mais c'est le match-up qui est pas bon là. C'est ce personnage-là contre celle qui est pas douée, c'est tout quoi. C'est juste une question de match-up, hein, sinon je l'avais. Hein. Dragon Ball Rumble. C'est un peu le nom de jeu qui sortait à l'époque de la PS2 et de la GameCube, ça. Allez, on est parti. Bon. Non. Arrêtez de me planter de touche toutes les deux minutes. Ok, j'ai foutu le matchmaking en pause, magnifique. Je ne sais pas ce que je fais faux. Au moment où tu te relèves d'une attaque, d'accord. Non, je ne touche à rien pourtant. Ok, d'accord. Les cartes de cercle, c'est une sorte.
Attends, je vais juste vérifier un détail. Est-ce que c'est des cartes de cercle différents pour chacun? Ou R2? Attends, vous êtes en train de dire que je pourrais juste appuyer sur R... Ah non, R1 ou R2, ok. On revérifie juste un truc, pardon. Carte de cercle, comme ça. Non, non, c'est carte de cercle dans un sens ou dans l'autre, ça devrait faire des trucs sympas. D'accord. Ok, là c'est bon, d'accord. Je rêve où Virgin vient de me taunter pendant le tutoriel. Ça va bien se passer. Maintenant, je crois que ça va bien se passer. De toute façon, on gagne ce combat ou on bail out. Bon, s'il vous plaît, monsieur, là. Il y a d'autres gens qui attendent. Oh la vache. Oh, c'est long. Oh, c'est pas pratique, votre système. Ok. Les conditions de combat que tu désires ne correspondent pas à celles de ton adversaire. Vous vous foutez de ma gueule. Bah ça, vous auriez peut-être pu le deviner avant de faire un matchmaking, je sais pas, c'est votre boulot, non? En fait, la seule fois où je verrai jamais l'écran de victoire pendant cette heure, là, ça va être sur le truc de tutoriel, hein, on va être un peu franc. Je suis un peu en train de me rendre compte de la vérité de ce qu'on est en train d'affronter là. Bon, on va juste encore faire ce tutoriel là parce qu'il me semble important. Et après, si c'est pas la victoire, ce sera le bail-out. L1. Attendez, c'est quoi L1? Ah, ok! Ok, attendez, je crois que j'ai compris ce qui se passe depuis tout à l'heure. Ok! Attendez, juste deux secondes. Configuration touche. L1, L2, c'est... Ok, d'accord. Ok. Non. Non, 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 non. Réinitialiser. Voilà. Hein, hein. Pour reprendre. Bon, j'ai l'impression de le faire, là. Je vous jure que j'appuie sur L1. Salut Sismic. Oh, attendez. Il faut que je commence. Oui, d'accord, c'est ça. Ok. D'accord, donc juste un petit coup. Alors attendez, on va refaire. Ça, c'est un soutien. Ça, c'est un changement. Ok. Ok.
Ok. Ah, c'est important de le savoir, ça. Ok, attends. Non, mais... Ok, c'est pas grave. Ah, ouais, ça peut être efficace. Ça peut être bon à savoir. Alors, essayons ça dans ce combat que nous venons de trouver. Redoutable guerrier, on va se calmer, hein. Il y a autant de victoires que moi, votre redoutable guerrier. Hein. Bon, ok, moi je suis 5 combats, 0 victoire, lui c'est 1 combat, 0 victoire. Admettons. Mais... moi je suis bien redouté... enfin, là, dans cette pièce, disons, hein, c'est déjà un début. Salut Lyric 78. Oh, ça rame de nouveau. Ça rame affreusement de nouveau. Et pour une fois, c'est pas ma connexion. Hein. Ma connexion est dans le vert, elle est nickel. Ah oui, merde, je joue Cell. Putain. Pourquoi je me fais tartiner le pion comme ça, sérieusement? Sérieusement, pourquoi je me fais tartiner le pion comme ça? Et en plus, ça rame, mais c'est affreux! Je veux dire, sérieux, si c'est pour un match dans ces conditions-là, c'est pas la peine, hein. Il faudrait peut-être que je change ça dans le match making aussi. Ah! Bah, suffisait de demander, visiblement. Voilà, ouais, tu m'étonnes que la collection était perdue. Bon, alors attendez, on va revoir un truc. Ah oui, tu me remets dans le... Ok, d'accord. Non mais ça, c'est pas la peine, monsieur. Oh putain. C'est pas la peine parce qu'en fait, je veux modifier un truc au niveau du matchmaking et du coup, vous allez me casser les couilles. Donc, retour au hall. Voilà. Ça va bien se passer. J'ai confiance. Alors. Retour. Non, on va directement aller voir l'autre là-bas. Et après, on va rester dans ce cercle-là. On va voir s'il y a des gens qui veulent parler. Pardon. Excusez-moi, madame. Bonjour. Oui. Oui, ok. Qualité de connexion. Jaune ou plus. Ça sera déjà bien. Hein, jaune, je pense qu'on pourra déjà jouer. Parce que si là, ce qu'on a fait, c'était du jaune, faut que vous autorisiez pas les jaunes non plus. Hein. Bonjour Grec du futur. Et du coup on peut se fighter quand on est là-dedans, c'est... On va trouver. Ouais. Sauf que j'ai dit que je voulais que des connexions jaunes et que lui je vois bien que la vignette elle est en rouge. Hein. Donc le foutage de gueule il est déjà présent. Forcément des combats en classé. Je crois qu'il y a combat amical aussi, mais on a attendu des combats amical pendant 10 minutes tout à l'heure, on n'a rien eu. Petit combat 4 victoires, moi je suis à 5-0. Je vois pas ce qui pourrait mal tourner. Hein. Salut Xentran. Eh oui, ça va. Qui moi, celle, ok. D'accord. Okay.
faire. Oui! J'ai battu mon premier adversaire. Tout va bien. Ah là, ce qu'on aime. Ah, raté. Bien joué. Bien joué, je me suis fait voir comme un bleu. Deuxième personnage éliminé. Ah oui, non, je me trompe de touche depuis tout à l'heure, ok. Ouais, laisse que je fasse. Merde, ok, d'accord, non, ça s'est pas passé comme prévu. Salut Big Arnaud, salut The Big Rob. Ah oui, je lui, ok, d'accord. Alors Elton, on est d'accord que si tu perds là, c'est complètement pathétique. Oui, oui, on est d'accord, oui. Ce qui est bien, c'est que là on joue avec le personnage qui nous a toujours apporté la victoire, donc je vois pas ce qu'on pourrait mal tourner. J'ai gagné un combat. J'ai gagné un combat. Et sur cette victoire, j'annonce donc ma retraite de la scène de Dragon Ball FighterZ. Je vous remercie tous pour avoir assisté à ce qui fut sans doute une des carrières les plus lucratives de l'histoire de l'e-sport. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.